Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, je rappelle, c'est 9 mars, hier c'était Journée internationale droit femme. Une grande dame, une grande haïtienne, Jessica Genelius, actrice, réalisatrice, mère, citoyenne engagée, artiste. Tant de cordes à ton arc, on me permet de te tutoyer parce que c'est fierté. Donc, dans le pays, il y a 20 nouvelles. Comment est-ce, Jessica? Là, on a une grippe. Mais c'est physiquement, c'est pas plus grave que moi. Ça veut dire que moi en forme. Okay. Parce que tout le monde connaît que on grippe. Voilà quoi. Ouais, tu vois, ça arrive. Moi, physiquement, moi en forme, ça veut dire que je n'ai pas de douleur. Voilà, mais mentalement, moralement, ça sont l'autre histoire. Mais on a géré. On a géré. On a essayé le plus que possible de pas basculer. Parce que. Il y a deux côtés basculés, le difficile pour redresser. Donc, oui, dans un moment, c'est ça, oui, c'est comme ça que je me sens. Je me sens moins. Quand on fait une ambule, je me sens qu'un peu équilibré pour ne pas aller dans un extrême qui est ingérable. Nous bien contents de vous avec vous. Non, mais le plaisir est pour moi, mais c'est un honneur immense. Et avec vous, même avec un pile invité, on vient nous parler une conversation avec l'artiste. Et il y a qui dit, mais le temps passe vite, 2002. Et vous crevez l'écran dans la barricade de Richard Sénécal. 17 ans, oui. Petit bébé pratiquement. La consécration est venue très rapidement et l'année d'après, avec on va revenir sur cette expérience-là, sur des professionnels que la vie a mettait sous route, Richard Sénécal, Jimmy Jean-Louis, entre autres. On parlera de ses expériences, on parlera de ses prix, de ses consécrations et puis un ensemble de thèmes qui retournaient, que ce soit dans Jouet ou bien dans des documentaires qu'on proposait, ou très sensibles à des thématiques qu'il y a droit à l'environnement. On mettait voix sous sa langue, a dit entre autres récemment à documentaire d'Arnold Antonin. L'actrice avait fait la transition et d'ouvrant jour qu'à lever avec prix ça ou avec documentaire ça, où je vois un prix dans le Festival international de films documentaires Amazonie Caraïbes. Et c'est un récit d'Acadien intimiste. C'est vécu ou c'est vécu maman qui t'a gagné une maladie mentale qu'on rapportait. Et dans le teaser, il y a un paquet qui frappe. Maman m'a coupé fâché à Haïti, même dans l'accouchement. Il n'est pas deviné et ça a marqué moins. C'est quelque part quelqu'un qui peut se livrer avec pudeur, bien entendu, mais avec une sincérité. Ou pas, dis-nous, pour qui ça ou comme ça. Et avec vous, on parlera de citoyenneté, on parlera d'art, sans artiste d'où il est dit en Haïti, je dis, par rapport à engagement. Oui, on parlera de la citoyenne que vous êtes qui est engagée dans la bataille contre la corruption. Vous êtes parmi les premiers Petro Challengers sur Internet, là, sur Facebook, là, sur Twitter. Là. Ça a suscité des vocations, des gens qui disent, bon, je suis content avant, mais des gens qui joueraient. On vous a pris à partir, comment même vous avez vécu l'expérience ça. La dictature, il y a des gens qui disent que c'est un rôle de dictature, je dis, on parlera de tout ça, et ou même qui ont force, c'est-à-dire au café image parler. Est-ce qu'on croit l'image qu'a sa vie là, l'image qu'a sa vie en série de codes, c'est un rapport avec l'identité, non, avec la citoyenneté, non, avec l'histoire, non. Ce sera une conversation très riche, nous prenons là, j'espère. Jessica, menem en 2002, 17 ans, barricade. 17 ans barricade, ben ça, il y a de bain, il y a de moments qui, pour ton tour dans vie où qu'on connaît que rien pas même genre encore, même si comme tu as dit ça, effet ou pas rap, il y a un premier effet qui tout de suite, mais il y a de l'autre effet tout, c'est au fil des années qu'on a réalisé à quel point que on s'est de choix modifié parcours. Donc moi rencontré Richard avant barricade, bien sûr. Son publicité pour petit téléphone 2004, à l'époque, t'es rempli le bail qui était les 2004 qui t'a sauté en même temps. Et le téléphone, c'était une là-dedans, et puis nous t'ai fait une réclame. Et puis Richard dit, mais est-ce que je voulais pas son casting? Bon, à l'époque, je me suis dit, en casting, je voulais dire. Je me dis, ça me demandait, je me dis, est-ce qu'on paye? Parce qu'à l'époque, je me dis, un pile problème financier. Maman était malade, famille était vraiment séparée, nous, chaque ton côté. Donc, ça qui est important, moi, c'est est-ce que monsieur ça a payé pour continuer l'école, moi, parce que c'était ça qui était urgence en un moment. Et puis il dit, oui, bien sûr, si je me prends pour film, non, si je choisis comme actrice, bon salaire, ben, tu m'as allé vraiment dans le casting, tu as plusieurs autres jeunes femmes
qui était venu passer casting là, bah être très convivial, jou malé à te gagne à peu près une dizaine de l'autre monde, nous une bail l'autre réplique, Richard bail réplique tout pour aider nous travail et puis après ça malé et puis après ça les relé. Si me dit bien parti ça flou moi même songe j'ai littéralement mais on l'autre monde qui était relé, en tout cas, j'ai eu le rôle pour Barricade et puis mal fait film là. Tout ça me connaît c'est que mal sur plateau tout ça Richard dit me fait. Tout le monde dit comment faire cinéma alors qu'on parle comme ça cinéma télé. Je dis mais c'est simple, me fait ça réalisateur a dit me faire. Et moi de m'exprimer tel bagage mais et ça pis terrible là. Vous avez une palette d'émotions qu'on a exprimé. Oui. Expression également. C'est, exactement. C'est ça l'acting. Exactement. Mm. Donc c'est pas compliqué en fait. C'est pas c'est cool comment c'est intellectualisé bah là parce que en fait si vous juste existez dans le moment ou à réaliser à quel point vous faites mais c'est exister ah oui dans simplicité moment qui est complexe là. Mais en réalité jouer, ce n'est pas jouer. Donc, de vous penser à jouer comme jouer, bah, elle a gagné. Mais si vous pensez à jouer comme ne pas jouer, et ça, je me dis toujours que cinéma, pour moi, même, tout le monde a dit c'est fiction, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas qui vrai qui existait. Pour qui ça? Parce que, ou mon scénario, ça, c'est un scénario assez libre à faire. Ça, ou doit exprimer pour que l'histoire là continue et grandit au fil de narration, pour aller vers dénouement que scénariste a écrit, hein? C'est libre à faire. Ou pas qu'à faire rien l'autre. Sous fond l'autre bagaille, film n'a pas l'autre côté. Donc ça veut dire que tu es obligé d'être dans la vérité de ce que cette histoire exprime. Il n'y a pas plus vrai que ça. Être dans la vérité de ton jeu. Exact, de ton jeu. Et il n'y a pas plus vrai que ça. Alors que dans la vie, moun ka di on bagaille, pense on l'autre bagaille. Ouais, ça me dit. Moun ka joué des rôles, mais pourtant, dans l'intimité, il y a fait l'autre bagaille. Mais dans le film, dans deux autres dans le film, on va le présenter. Hein, tout doit être vrai. Pour que moun yo accroché yo, pour que moun yo croie dans ça proposé yo, et puis accepter je vais être là avant, tu vois. On parle d'émotion, capacité d'expression pour être dans le jeu, être crédible et sincère et authentique. Est-ce que ça contribue que gagne des personnages de résidus de personnages qui étaient imprimés dans le caractère avec un comportement? Moi c'est moi même qui étaient imprimés dans le personnage parce que ça crive c'est que c'est où? C'est ton corps. Okay. C'est quoi wap utilise, c'est quoi qui instrument. Okay. C'est un mensonge de dire que non, c'est un personnage. Tu utilises ton corps, tes émotions, ton vécu pour exprimer des choses que ce personnage veut exprimer. Donc forcément, tu es tout dedans. Tu vois. Et puis s'agine par exemple, souvent mon appelé dit quoi ça et que est-ce qu'on c'est moun ça? C'est un peste. Premièrement, est-ce qu'on peste? Deuxièmement, est-ce qu'on t'a brahi? Est-ce que dans la vraie vie, où t'as brahi, que frère ou sorti avec un monde qui travaille à la Cali, me dit, il t'a tout intéressant qu'on pose tête aux questions ça. Pas que j'en rencontre un monde en dehors de film là, qui dit, ouais, t'as très heureuse, ouais, ça me besoin pour frère me sorti avec un monde. Tout le monde toujours gagne dans la tête yo que yo doit vouloir le meilleur, non seulement pour tête yo, mais pour le monde qui n'en vit tout. Donc, forcément, yo pral dit frère, mais non, tu peux faire mieux. Tout le monde gagne plus ça. Par contre, l'homme était vérité ça en face tout le monde, l'homme était miroir là tout le monde. On voit tout le monde dit non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, pas jamais me dire un bail comme ça. Pourtant pas que j'aime rencontrer un ami. Bon, puis mal encore. Donc on va même arriver dans monde qui travaille à la caille. On simple ami. Le nombre de fois que moi même moi retrouve dans des situations côté parents on jeune homme, moi ça me dit bien trouver que am pas sortir dans famille qui assez. Vous comprenez? Alors que moi l'école, moi l'école caimé, ou t'a dit que mon ou dit qui ça manqué. Mais pourtant mon senti non, livre plus tout ça que constamment nous dans rapport ça. Et le jeu a permis de d'exposer ce rapport. Exact. Il y a eu d'autres rôles, il y a eu cousine, mais il y a une constante à tes débuts. Richard Sénécal à tes débuts. Richard pour toi c'est quoi? Oh, énormément de choses par rapport à ma carrière et comme humain aussi. Parce que je pense que très peu de monde a une chance de débuter dans une forme de carrière artistique comme ça avec un monde qui est respectueux. Je me pose moi en pile parce que je connais en pile jeune fille qui parle avec moi, toutes les mauvaises expériences que je fais avec des mondes qui soient disant réalisateurs ou bien qui a proposé ou fait casting et que bah, ont toujours parfois mal viré sous des bails qui. Des traumas quoi qui peuvent venir blesser mon âme tout jamais moi-même j'ai commencé avec un monde qui était juste extraordinairement respectueux envers moi-même et super professionnel tout
Richard n'a fait film, c'était point bas, tu vois. L'homme fin fait barricade, Richard nous tout constater ça qu'a fait là, comment public a réagi, et puis il dit si autant de moi m'a ba un premier rôle dans l'autre film, mais il dit ça va pas arriver avant 3 ans. J'ai attendu 3 ans. Parce que, oui, parce que j'avais trop peur de jouer avec quelqu'un d'autre. J'étais trop peur. Parce que Richard était tellement protégé, mais traité bien. J'étais trop peur que mal travaille avec l'autre monde, que le pas fait même, que le pas traité même genre. Et probablement seul monde après en Haïti que je suis confortable de travailler avec. Et c'est parce que Jimmy introduit ma velle, c'est Arnold Antonin, que je suis le même rapport ça avec elle. Vous comprenez? C'est des monde qui. Voilà quoi, c'est un milieu professionnel, c'est pas plus compliqué. Donc. Dans la liste moun qui est déterminant dans le parcours, il y a Richard. Richard en premier lieu, oui. Richard en premier lieu, il y a Jimmy, il y a Arnold, et, qui constituent le réseau de professionnels et de bienveillance qui permettent que l'artiste là épanouisse. Énormément, énormément. Et l'homme qui a fait le président Antil de Sida avec Arnold, c'est parce que je travaille sous cousine avec Jimmy. Et puis Arnold, tu es pressenti en l'autre comédienne pour Wall. Et puis Jimmy dit mais non! N'a fait la Jessica. Et puis on a dit OK, n'a fait le passer casting. Ouais, et puis passer casting. D'autant plus me penser tout ça que t'es joué, tout c'est que comédien n'a pas en Haïti. Donc t'es gon tout en logistique pour t'y faire le venir. Peut-être que t'as pas le coûter 2 fois, 3 fois plus cher tout. Donc à l'époque on n'a pas de connait moins, donc il juste rencontré, ni ouais que ça marchait et puis nous fait projet ensemble. Mais voilà, donc c'est tout des mounes qui par contre, c'est chance, mais même mot ça, mais en tout cas, il y a des alignements qui fait que tout le monde m'a rencontré dans le début, côté de dit que j'étais plus vulnérable, parce que voilà quoi, à l'époque, j'étais un petit peu seul. On ben bat un système, on a dit ça. Oui, un système, un groupe, une famille, on ben qui dehors, qui protège l'intérêt. Pourquoi est-il utile de dire à un moment X, X, Y, t'es sous parcours moins et quelque part, coûte possible moyen, permettre de faire route, m'a fait jeudi? C'est. En fait, ce serait. Si n'a pas les de l'autre bagarre, ok. Si n'a pas les. Non, l'autre contexte, ok. Mais si n'a pas les de route, c'est pas pour moi, c'est indubitable pour moi, comme parler de Mounsa, parce que c'est pas un coup de baguette magique qui fait me retrouver dans le cinéma. On comprend? Et même quand ça, cinéma, en fait, même quand c'était possible pour moi de faire cinéma. Par exemple, c'est dans cette petite Bolivar que centre que Arnold a créé, que moi ouais un film d'auteur pour la première fois, qui c'est Rosetta, qui sont film les frères d'Ain fait en Belgique et qui peut déboucher sur la loi Rosetta. T'as l'air de parler sur comment film a influencé. Ben voilà, Rosetta par exemple, c'est un film qui va créer une loi sur le travail en Belgique qui peut faire que Gombaye qui changeait à partir de film ça. Donc, cinéma d'auteur, si on a envie qu'on ait, c'est un bail qui est très proche de documentaire. Donc, si on démarche côté, nous, non, on bail qui écrit, ça veut dire que, qui prémédité, mais en même temps, qui donc caractère de documentaire, ça veut dire qui est basé sur des bails qui sont réellement passés. Donc, c'est pas un bail qu'on a créé histoire de toute pièce et que dans la vraie vie, tout le monde sentit que, ouais, bah, on est là, regarde un film, on dit, ah, ça, c'est la télévision, c'est mon cas. Ouais. Le cinéma d'auteur est plus libre, il est plus difficile à caser. Et c'est ça qui fait des fois originalité, sincérité, le tout, d'aller là, côté une série de globes, de productions commerciales, pas arriver. Donc, c'est toute sensibilité à ça. Et, nous t'évoquais là-bas, 2017 et 2012, pardon, ou 17 ans, et c'est et, un an plus tard, et Ticket d'or, meilleure et actrice. Et 2007, c'est le Grand Prix de la Diaspora et Festival Panaméricain du Cinéma de Ouagadougou. Donc, on début de reconnaissance internationale, FESPACO. En 2006, on remporte le prix meilleure actrice pour film Cousine dans le Festival International de Brooklyn, dans New York. Et où tu es retenu pour d'autres castings de Empty Box, un film mexicain réalisé par Claudia Saint-Félix, Everything But a Man. Et gagné d'autres productions, Cargo, on a évoqué Cargo, et La Mer, et un ensemble de thématiques qui retournent. On a joué tout. Et on dit, mais c'est beaucoup, et peut-être de jeunes actrices, comme Gadola et comédiennes, comment vous appréhendez chaque casting? Est-ce que vous dites, c'est Jessica Mbappé, quand même absolument bon? Comment vous appréhendez? Absolument pas. Ou pas, j'aime. Je ne pas penser à un moment donné où j'aime un tel et puis tout va aller. Moi, ça me dit, je vais m'apprendre très vite tout. Pas qu'un moment qu'on atteigne côté. Ou non confort absolu par rapport à quoi que ce soit dans la vie, hein, que ce soit amitié ou que ce soit relation intime, peu importe,
pas jamais un absolu. Il y a toujours une question permanente. Oui, il y a toujours même ouais des mutations, on prend une mutation constante ou confronté à ça, il vient bah on l'autre upgrade version de vous-même, on prend une version qui peut-être améliorée ou cacasse et tout, oui, on prend dit pas rien qui noir ou blanc. Donc moi-même m'aborde tout ça m'a fait avec sincérité et vérité. Ça va veut dire que toujours quand ça m'a fait ni que me toujours gain raison dans choix que me fait mais m'aller jamais m'pas gain ken masque m'pas ken m'aller jamais sincère et cash si me vini toujours m'pas bon me son jour mal font casting en France parce que t'ai fait 3 ans étudier en France cinéma et mal font casting et puis yo mandé moi m'a fait casting tout ba bien passé mais à un moment donné moi m'a regardé me doit et puis me dit ça qui passé ben. Et puis il dit quand on sorti me dit d'abord pour qui ça question ça parce que m'en plein casting déjà stressant pour faire un casting parce que ou peur ou par contre soit bien joué ou on dit après c'est pas bon il y a pas de cas comprendre qui accent que me gagne et nana figure il a fait des conversations il a dit oui mais il va pas rentrer dans ce truc c'est elle n'est pas martiniquaise, elle n'est pas guadeloupéenne, elle n'est pas... Et puis, je me suis marché, je me suis mal. Vous comprenez? Parce que quand je m'écrivais, ça pas j'aime vaut, rien pas j'aime vaut pour quitter ton monde, mettre dans une situation, quand tu senti... Intégrité ou dignité ou attaqué? Attaqué. Okay. Quand tu senti ou pas monde. Okay. Parce que si tu parles avec en troisième personne alors que je campe en face, ou tu me dis que tu vas le caser, dans qui boit toi, mettre, enfin... Ou pas prendre ça. Pas de quel côté nous aller. Ou pas prendre ça dans le même monde. Exact. Donc, on me dit merci beaucoup. Et bien, et donc, c'est des comportements pour ça. Faut qu'on nous analyse de situation. Il ne faut pas tout le temps quitter le monde. Il m'a dit fuck. Ou essayer, en tout cas. Faut qu'on garde la situation. Hein. Pas quitter le monde juste. Drag ou sa maison là, l'eau, pour donc, ou non, participant de ce qui dans sa fait là. Ou non, analyse permanente de remise en question pour le meilleur de vous-même. Oui. Et oui. Est-ce que quelque part dans cette quête, je change moins ouais ou peut-être ma petite bêtise, dans Moloch Tropical, dans le tournage Moloch Tropical, j'étais avec l'équipe de PEC, Sonia Holland, je change moins au Citadel là et. Son expérience pour mes formes découvrir mon équipe de tournage et c'est on roule dans Toussaint c'est toujours le meilleur de vous-même cobaye même si c'est des fenêtres même si c'est de second rôle pourquoi à vouloir se surpasser en tout quel que soit rôle là quel que soit rang et grade rôle là parce que faut toujours prendre le grand comme monde qui doit exister pleinement dans ce qu'on fait comme métier on choisit comédienne. Ce n'est pas un bail qui est évident. On prend un grand pile de monde qui choisit d'être une comédienne et qui parle de un rôle. Donc, bon, il y a un truc cliché qui dit qu'il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits comédiens. Bon, quelque part, c'est vrai. Parce que, j'étais gros film, j'étais regardé, et puis c'était un gros article qui était sorti sur ça. C'est un gros film, gros budget. Et puis, il y a un soldat qui se faisait paraître pour dire bah, on est, général, on est attaqué. Un bail est très simple. Et puis, tu as dit qu'il était sorti sous nombre de fois que monsieur, j'ai dit parce qu'il était tellement pas de gens crédible. Ouais. C'est comme si je me disais, on rentrait dans l'univers film, on a fait voyage là, et puis à un moment donné, il y a un monde qui paraît, qui mal joué, et puis on réalisait, c'est un film, rien n'est vrai, tu comprends, tout ça, c'est ça que ça peut faire. Un mauvais jeu, c'est ça que ça peut faire. Ça attire le spectateur de la rêverie. Et t'as pas envie d'être la personne qui va tirer le spectateur de sa rêverie, tu vois. Mais rapidement, avant que tu rebondisses, justement, la Citadelle dont tu parles, là, ce film avec Raoul Peck, c'est probablement une plus belle expérience en termes, par rapport au fait que me fait, au moins, vivre dans la Citadelle. Et on, par exemple, par exemple, ça était même possible, quoi. Et tournage à l'université, première fois, tout comme t'as fait un tournage, qui t'a gagné autant de monde et autant de moyens techniques. Alors, tout le tournage pas mieux, moi, je suis sûr que tout ça me défend en Haïti. Si tu as des moyens techniques, tu n'as pas arrivé à même finalité. Hein? Mais là, c'était vraiment la première fois. Je comprends que tu as vraiment une grosse équipe. Et tu t'es impressionné par ça. Donc, et puis, je regardé, je regardé tout le détail. Je regardé comment chaque département. Parce que nous-mêmes, Richard, Arnold, nous n'avons pas de moyens, donc on s'entraide pour faire ce qu'on a à faire sur un plateau.
Mais là, on regarde comment chaque département, ouais, département ouais. décor. Si moi, j'étais pas, je dis non, c'est pas un département. C'est ouais, comme si ouais. toute bagaille. Voilà quoi. Ils sont l'autre monde dans le même monde, mais avec plus de moyens, plus d'organisation. C'est autre chose. Oui. Où changer place à un ouais. certain moment ouais. pour réaliser d'où vient le jour qu'à lever, d'où vient le jour qu'à lever son récit intimiste ou retracer maman qui est victime d'une maladie mentale. D'abord, pourquoi? Pour qui ça? Devant jour, l'absolien qui a eu le grand prix, Festival international du film documentaire. Oui, il est bien, ouais, bien fait chemin. Lui, il prend à peu près 9 prix, film ça. Et son, tout le monde toujours me dit est-ce qu'on a une réalisation, est-ce qu'on satisfait. C'est compliqué pour satisfaire, pour avoir un sentiment de satisfaction par rapport à un film qui est vraiment aussi personnel là-haut. Parce que moi, dans le processus là toujours. Alors, tout ça pour me dire, causez à long, oui, je vais laisser réduire le coût. Parce que je commence à travailler sur le film ça peut-être en 2016 ou 2015. Je vais faire plusieurs ateliers d'écriture et m'obliger à saluer Focal parce que c'est là que je fais premier atelier d'écriture. Moi, et c'est eux-mêmes vraiment qui permettent moi-même d'ouvrir, commencer à garder possibilité de réalisation. Parce que la France, le réalisé en France, mon grand agent et tout rôle que y a ben moi c'est y a servante ou bien on prend une femme de ménage dans l'hôtel etc. et puis me dit ah, c'est pas on dessaline pas de mouille pour ça. Non, pas de mouille pour ça, et mon paquet de comédiennes noires là et qui oui. levait on pète ton cabale dit non pas prendre ça encore. Hein. Ah oui, me dit mais petite salite belle mien, oui. bah là pas qu'à faire pour ça, me dit bon tourner dans pays pour mal faire combien de production et puis pour raconter histoire, j'aime souhaiter ouais que femme noire ou déjà femme pays tout court comprenne paraître quoi. Être libre. Donc exact, avoir un minimum de liberté et puis moi vin commencer faire atelier d'écriture, 4 ans de travail sur film ça et puis kounyan m'gal vin Guyane tout al font atelier me faire au moins 4 ou 5 ateliers d'écriture. Au début son film m'a fait sous manzé pour qui ça parce que très jeune, m'étais peur, là moi maman me tombé malade et que toute famille a dit que question santé mentale ça son malédiction tombé sous famille hein, parce que gagne n'importe 4 ou 5 nan yo qui tombé malade. Grand même t'es tombé tout le monde à un moment donné on prend une gomme qui bascule dans tête yo donc et yo t'ai dit clairement que c'est en question de temps avant que génération pam nan malade tout. Donc au début bah ça t'es mettez mon état côté me quasiment pas de vivre. Et puis à un moment donné me dit elle pas possible. Je me suis dit, je pas la manger. Je me suis dit, 21, 22 ans, je pas la manger. Je me rencontrais et puis je me suis dit, Jessica, il faut laver tête tout. Manger, c'est. Manger, Bookman. Oui, oui. Et puis je me suis dit, il faut laver tête tout. Je me suis dit, laver tête là, manger. Mais je pense à shampoo, à l'eau. Je me suis dit, non, il faut laver tête tout. Nous n'avons pas de temps pour t'expliquer bien, mais moi-même, je viens comprendre laver tête là dans le sens aller dans la quête de compréhension de qui ça a fait me peur. Affronter ça qui me fait un peu, à garder la face. Spirituel, mystique. Exact. Okay. Mais personnel, qui peut venir toute qualité couleur au fur et à mesure que là-bas, mais il faut qu'on même mystique, il faut qu'on même. Mais c'est vraiment en quête de paraître que tu étais emprisonné dans peur ça, commencer à garder en face. Et si je me fous, je me fous, les yeux ouverts, on prend, je me pas le fou en ayant peur, pendant que je me cache tête moins dans bagay que qui l'a des potes là. Frappé tout le temps. Et puis c'est comme ça que je viens tranquillement font penser à ça. Et puis jusqu'à ce que, un peu plus tard, je viens décider, OK. Donc, au début, je me dis, je fais film sous Manzé. Comme c'est Manzé qui était, pour moi-même, un modèle de monde qui t'a parlé de vaudou en gens. En tout cas, il y a un monde que j'ai rencontré qui parlait de vaudou en gens. Qui n'a pas gagné de diabolique, genre vannonien, folklorique, bizarre, whatever. Qui vraiment une enquête spirituelle, presque tant que bouddhisme, quoi. Donc, je voulais faire un film à travers lui. Et c'est pendant mal non atelier d'écriture, et puis je me dis, mais pourquoi vous voulez parler de dame ça? Parce que ça crivait, c'est que l'homme parlait de film en Haïti, dans Focal, tout le monde content, tout le monde mangeait. Mm-hmm. Tout le monde était dans l'enthousiasme du fait que c'est Manzé qui a le catalyseur pour parler de sujet. Et puis l'homme arrivait, mais personne ne parle de Manzé, quand il a mal fait atelier, et puis il dit, c'est qui Manzé? Pourquoi on parle de Manzé? Et puis c'est là, ça m'a réalisé, me dit, en fait, c'est un bagage personnel, son quête personnelle. Je ne vais pas cacher derrière un monde pour me parler de lui.
et m'pa ka mande on l'autre monde exposer tête li pendant moi-même m'a caché alors que me connais que profondément ba la concerné son questionnement qui quasiment gon impact sur comment la vie m'a déroulé. C'est parce qu'on démarche thérapeutique. Exactement, c'est une démarche thérapeutique. Donc me dit il pas fait sens pour me cacher derrière un monde pour me faire. Et c'est là ça m'a basculé pour me dire fuck tout nanam dans film là. Donc c'est comme sous campé son building, moi même dit comme ça parce que c'est comme ça me dit ouais, campé son building 200 étages et pour la gué en bas. Sans pas connait dans combien temps sans filet. Sans filet, ouais. sans un saut dans le vide. Un saut dans le vide et me dire que peu importe monde moi vini après processus ça, il pas qu'à pire que je me senti me connia. Et s'il pire tout ben c'est profond. Me parer pour ouais ça lié. Me parer pour me rencontrer Jessica ça, ouais, comprendre. Ouais. Et puis moi fais soi et puis dans la douleur. C'est pour ça chaque fois me projeter film ça, quel que soit pays dans le monde là parce que me projeter dans au moins en quarantaine ou cinquantaine de festivals. Quel que soit pays dans le monde, toujours on 10 minutes de silence dans la salle. Les gens sentent quelque chose. Et puis, mon modérateur toujours dit, mais poser des questions, me dit, ah, moi, je prends 4 ans pour me parler. Il me dit, donc, s'il prend 10 minutes pour poser des questions, je suis obligé de 10 minutes. Il faut du temps, donner du temps au temps. Il faut du temps. Et donc, c'est ça, ce film. Et tout le monde me dit, comment on sent, on me dit, mais ça n'a jamais été ça le but. Comme on dit, quand j'ai sauté, j'ai réalisé en fait, c'est vrai que nous, moins haut, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a qu'une mutation constante. On mute. Et c'est pour ça que quand les gens disent, ah, on a touché le fond en Haïti, on a touché le fond, on me dit, qu'on est Napton, nous avons besoin qu'on ait que nous touchions le fond, hein, en espérant que ça va nous faire rebondir, mais en fait, il n'y a pas de fond. Donc, il n'y a pas de fond, mais il y a différents niveaux de conscience, oui, et une conscience claire qu'il faut avoir pour faire saut, ça va pas aller là. Exact. Et voir la mutation qui arrive avec ce saut. Parce qu'on parle même moun. Il n'y a pas de fond, mais un changement radical, il faut well. On comprend, il ne faut pas dans l'ignorance de ce changement. Et la vie n'a violence parce que la patate est au monde côté en vain. Pour venir faire au monde. Qu'on peut lier à partir de l'information, ça, à partir de ce qu'on peut ressentir, à partir de ce qu'on peut vivre, ou pas quand même monde, ou pas jamais même monde. Et c'est peut-être ça, souvent, nous peur qui fait nous pas aller faire soi, parce que nous connaissons les mutations pour le faire, mais nous disons, nous. Ouais. C'est naturel, ce sentiment d'être en contrôle. Oui. Nous pas parce que c'est là où qu'on est, même si la catastrophique, oui, même si la. C'est le bordel, c'est l'anarchie, c'est la douleur. C'est notre zone de confort. Mais c'est quand même une zone de confort parce qu'on le connaît. Parce qu'on le connaît. Et on se dit, je ne peux contrôler ça parce que je connais. Mais en fait, non. En fait, bien sûr, c'est une illusion de contrôle. Donc, Jessica Généus, dans le 20 jours qu'elle a levé, a forcé, on t'a dit que le soleil est levé, non sens. Oui. Okay. Oui. Et c'est ça qui est paradoxal parce que au bout de documentaire, là, tout le monde. Espérons un dénouement, par contre, Haïti sauvé, par contre, on bagaille, on prenne, qui n'ont utopie, oui, que fiction côté, mais qui n'a pas gagné pour avec documents. C'est la réalité, j'en décris là, on décrit avec une grande sincérité. J'en me dis, c'est tiré à moi et c'est un film que je me dois de voir. Mais il y a quelque chose, mais vraiment, les quelques secondes que j'ai entendu bouleverser, mais même, vous pensez à ma propre maman qui parle dans mon temps encore. Que maman refusait de venir en Haïti pendant un bail naissance. C'est-à-dire au moment où vous posez l'acte de maternité, de devenir comme votre mère, mettre la vie. Il refusait de venir parce qu'il y a un problème à Haïti. Ce segment-là, cette partie-là, raconte quoi? C'est la troisième fois que j'en parle. J'en ai parlé le jour où j'ai appelé ma mère, elle me dit, est-ce que la venue dit non? J'en ai parlé dans le film et j'en parle avec toi là maintenant. Merci. Parce que... En fait, là, elle dit ça automatiquement. Je me fais mes téléphones là, et puis je ne parle pas à une personne jusqu'à ta petite moi. Parce que toute grossesse, moi, tout, j'étais dans l'obsession de qui ça m'a légué à ce monde-là. Qui trop m'a bali, qui bonheur m'a bali, tout. Mais ou tellement de séries de douleurs qu'on a transportées, on dit qui ça m'a légué. Et à un moment donné, c'est seul moment dans la vie, côté monde publiquement, ouais, mais c'est dans le film là, parce que. À un moment, c'est parce que c'est ça, bah, là, qui ça n'a quitté, bah, on comprend? Qui ça n'a transmettre. Et
m'te 8 mois enceinte le m'a filmé on parti dans film là m'allé dans Marcin Klein dans l'hôpital Budé l'hôpital psychiatrique là non ça qui ah oui non Bostad là et puis m'a marché pied dans bal là et m'a tendé mesdames yo k'a parler m'a tendé et puis moi connais dans tête moi me dit ou pral accoucher faut joindre nos gens pour protéger ti moun ça si c'est seul bagarre ou k'a faire faut qu'on fait. Et donc le moment me dit mais pas venir moi ouais mon capable sombrer non tristesse non désolation comme maman qu'a fait dit que li pas beaucoup tôt qui mon livre que qui beaucoup tôt parce que me pas gagne l'autre monde c'était seulement papa petit moi qui était là et puis me dit comment il fait et puis me dit ou pas vous poser toutes question ça parce que en moment donné dans la vie moi décidé ouais maman tant qu'on femme à un moment donné me décider li pas maman encore selon définition que yo apprendre moi que maman doyé ça veut dire do maman supposé protéger aussi maman qui pouvait tout bail pour c'est maman qui pour tomber me dit me dit bon niveau bail m'a demandé madame ça là que le pas qu'à faire et faut me comprendre pour qui ça le pas qu'à faire pour moi même moi pas mettre moi dans situation pour me pas qu'à faire tout et l'homme vient. Refus de faiblesse? Ou, c'est pas refus de faiblesse, c'est plus dur que la faiblesse, parce que son monde qui était, son monde qui brisé. Non, refus d'être vulnérable de votre lieu, vous. Exact. Ouais. Mettre femme sous moi pour me passer par. En tout cas, parce que lui mettre femme sous lui sous certains aspects, mais quand c'est, quand l'autre aspect que le pas arrivé, demandez le trop. Société a demandé le trop. Et là, il dit, il n'y a pas qu'à venir, moi, connais, c'est pas. Parce que le raïm, parce que moi, je m'en le trop. Il n'y a pas de problème en Haïti. Haïti, c'est un symbole de traumatisme pour lui. Pourquoi? Parce que tout ça le vivio, parce que la maladie, li, elle a quand même énormément souffert. Ou ça me donne le basculer. Parce que son monde, même j'en avais, mais c'est ça qui a inquiété dans le moment. Qui a vu venir le basculement. Oui, okay. Tout le monde l'a vu venir parce que son monde qui est tellement en fragilité. D'ailleurs, comment me qu'on... Ouais, ça qui a passé dans cœur maman ou bien dans l'esprit, c'est selon chanter, l'a chanté. Okay. L'a chanté Aznavour, moi connais son c'est son tel bagage qu'elle a traversé. L'a chanté Dalida ou bien et l'a chanté Manu Chalmay et tout, moi connais son lot histoire bah, là. Moi connais ces pays à cap dominer et moi connais tout que m'a même besoin prochain pour tant que li nan bulle ça. Donc ça veut dire que son femme il tellement souffri. Et quand il y a eu mandé, la société a mandé pour le poteau mitan en famille, alors que lui-même, peut-être pas, il n'y a pas qu'à camper. Est-ce que tu vois un jour qu'à lever, c'est un clin d'œil à d'autres Jessica, à d'autres mamans de Jessica? Ou dit, je sais par quoi vous oui, traversez. Est-ce que je sais? J'ai toujours peur de dire ça, parce que je ne pas avoir la sensation que je pensais que je comprends tout bien, parce que ce n'est pas ça, on va, mais. C'est en tout cas, c'est exposé, mais ça m'a vivre là. Qui s'en reconnaît là-dedans? Ok. Vous comprenez? Qui s'en reconnaît? L'organisme. So, ouais, si oui, mais quel est le je vois exact, moi-même boum d'air. Exact. Okay. Mais ça m'a réglé à ça m'a vivre là. Vous comprenez? Ça veut dire que, mais ça m'a chamboulé, et mais ça m'a réglé avec vous. Vous comprenez? Et c'est ça toujours été. Tant tout ça me fait aux personnes, absolument tout, c'est toujours ça l'objectif. Juste quand j'ai c'est ça moi là. Par contre non, mais c'est sûr que dans moment ma voix là c'est Jessica ça pour gagner. Ça me senti là, m'a pas là. Senti là, ça c'est moins. Okay. Ça c'est moins. Ça c'est version ça qui existait pour de vrai et par contre si me sorti me vivre une expérience qui ça l'a fait de moi. On voit ça m'a dit ça n'a parlé de mutation de niveau de conscience. De niveau de ouais. Conscience, on comprend mais dans le moment, dans le niveau de conscience que je viens de dire, moi, dans la totale vérité de ça, je suis sorti. Ou, il y a des engagements. On les retrouve pour l'environnement, c'est clair, on a évoqué tout à l'heure là. Ou posez-vous en toute simplicité, par contre, si c'est l'expérience, si c'est le temps, mais en simplicité qui m'avait marqué et frappé dans le moment où je suis venu à Arnold, qui était chez Tala, et que tu es là, Jessica. Et là, cette narration m'avait frappé. D'écouter la mère parler, la mère raconter ses richesses, ses déboires, ses tristesses aussi,
avec des perspectives accueillantes, qui a dit, on toujours qu'à faire des bagailles, bon, nous, si nous prenons soin. J'avais bien aimé cette narration. Il y a en vous un engagement écolo, et c'est peut-être 2008, et peut-être qu'on a dit, ah bon, déjà? Oui. Moi, quand on a une manifestation, où tu as marché, et à l'initiative d'Arnold, qui était avec d'autres monde pour l'environnement, et sous parcours-là, j'ai eu la possibilité comme journaliste, j'ai eu Tiffany, j'ai eu Viviane Gauthier de Regretter Mes Mots, une grande dame qui nous a laissé, une grande danseuse. Quel est mon qui t'a dit aux bêtises, t'as pris vraiment des insultes et que haïtien en général remet posé sous femme comme pour dégrader. Mais c'est comme si m'adou tout bas, c'était coulé sous deux pour te continuer ces marches, t'as marché. Et engagement ça pour l'environnement. Côté le sauté, avant de parler d'engagement contre la corruption. Et que ou prend quitter fait que il y a des monde qui soutenir ou il y a des monde qui t'attaquer autour je sais pas. En fait quand il m'a réalisé ça oui à quel point que maman c'est quasiment probablement monde que moi prend le plus bagaille de lui. On pourrait dire c'est évident mais c'est pas toujours évident tu vois il y a des fois c'est des monde c'est monde qui est loin hein. En fait je pense que je suis très loin, mais en fait, je suis très très près de Madame Sa. Parce que Madame Sa, son monde qui était tellement engagé, son monde qui était là où elle va hanter, moi qui mourir tout. Parce que le tapé dans le processus vote là, il était volontaire. Son monde qui est toujours dans la manifestation. C'est que les gens ne servent pas nécessairement de ah votre oui, mère. Et ma personne, on va être très clair de maman. Le maman, c'est grand seul, et d'habiter Cité Soleil, parce que papa, le bat de occupé, bref. Et puis, pendant maman, Cité Soleil, maman m'attendait Jean-Dominique. Le maman, moué, population, attendait Radio Nationale, parce qu'à l'époque, c'était Radio Nationale, tout le monde était attendre. Et puis, il dit, dans Radio Amounia, il dit, qu'est-ce que c'est que le Jean-Claude dit? Qui ça, le Jean-Claude dit? Il dit, mounio, nan misère. L'autre, là même, il y a une obsession de Jean-Claudisme, Jean-Claudisme. Maman, met P.O. dans la tête, lui. Il met ton radio sous ses épaules, il a marché dans Cité Soleil, il a mis la radio sous radio Haïti Inter, il a fait mon nom. Et puis soudainement, tranquillement, il dit l'autre, il a commencé à parler. Il a commencé à attendre Jean-Dominique, l'autre boy. C'est ça que maman maman. Donc, comme dans toute petite lieu, c'est moi-même vraiment qui grandit dans pied, me grandit marée dans pied, et c'est pour ça que je suis malade là, tout me devine peut-être mon qui était plus de zéro orienté dans toute petite lieu parce que me démarrer dans pied. Donc maman son monde qui fait me garder Mississippi's Burning alors que me bat quand même 12 ans, il fait me l'intégrer, me bat quand 14 ans. Il fait me garder la couleur pourpre, Wicaz Neg que moi le connais plus tard qui son film son femme qui fait même qu'on à l'époque Zane Palsy c'est probablement une première femme qui sorti dans Caraïbes avec un film qui a le festival de Cannes qui vient mon européen Mississippi Burning c'est des jeunes activistes et... oui c'est des films basés sur le racisme qui a capté de racisme aux États-Unis etc. Donc couleur poupe c'est Danny Glover. Les questions rapport femme à garçon, tous les questions domestiques, domination. Et comme maman tout le vivre, les questions de viol, les questions d'un paquet de bagailles. Martin Gray, c'est mon drame personnel qui perd sa famille. Au nom de tous les miens. Et au nom de tous les miens, maman me fait me dit probablement. Donc déjà, mon volonté de. Oui, nous pas de gagner, nous pas de gagner, nous d'habiter non, un petit pièce qui probablement grosse côté m'a fait mission ça avant, mais nous t'ai une femme extrêmement intelligente qui t'a levé comme ça pas veut dire que li pas bam des blessures extraordinaires, ouais ça me dit dans un monde qui t'a bat moi en pile. Donc ça veut dire que pas besoin idéaliser pour que li moun qui plus important dans vie, pas besoin mettez-le comme monde qui sans tâche qui peut pas faire pour me remettre c'est comme ça me remettre même c'est avec nuance ça yo. Et donc forcément moi-même puis jeune que ça même avant comme si manifestation ça en 2008 depuis me des manifestations que ce soit sous violence contre juste paraître comme elles sont devenues vos causes ça cause ça et tranquillement au début c'est juste parce que me pensais femme là si des monde là cap gourmet pour ou est-ce que besoin pour un bagage amélioré, faut que moi là. Et donc, tranquillement, environnement,
Bien sûr, Ruben, parce que pour moi-même, c'est en cause qui. Le journaliste que Oui. je suis parfois dans des endroits et je pose des regards sur des gens qui peut-être pas vraiment me garder, qui pas ouais que me témoin des moments d'émotion. Et une marche après viol sur deux étudiants de l'université Quisqueya, vous êtes dans le cortège, je suis discrètement dans le cortège avec ma femme, avec ma compagne Nathalie. Et puis au niveau de Charles Sobner, et je vous vois fondre en larmes. Ça passe de ça. Je crie en pile, l'homme s'en sent impuissant. Vous criez loin puissante. Oui, l'homme. Juste à me sentir, nous pour contre nous. Et. Là, dis-nous, c'est les victimes de viol, de violences sexuelles? Oui, parce que son mari m'a vécu de près tout, parce que papa m'a ton abuseur. Et puis, t'es Valérie Numa. Qui n'en radio tout, qui a fait des commentaires complètement absurdes, complètement abjects, au lieu comme si pour nous, non dialogue, qui a essayé permettre de comprendre plus ce que ça veut dire. Ouais, ça veut dire pour qui ça son problème nié, pour qui ça son fléau, et pour qui ça pour nous gommer, pour gagner des lois, parce que même moi, pas non illusion de changer monde. Je n'ai pas jamais fait mener combat avec monde pour changer monde. Moi, mener combat pour la justice. Prend responsabilité pour l'État, prend responsabilité. Parce que je connais, c'est la loi seulement qui a fait moun agir en moun. Dans n'importe pays, sous la guerre, dans la savane, moun a agi tant qu'on dans la savane. Et c'est pour ça que moi-même, toujours à Boumé, donc je pas espérer changer moun. Mais en même temps, l'organe qui supposé son directeur d'opinion, leader d'opinion, bien. Et puis qui rentrait dans le côté puéril de conversation, hein, qui même a justifié une série d'actions, moi, ça m'a tué. Ça m'a tué. Parce que, non. Comment justifier viol? Non. Comment on fait ça? Je ne comprends pas. Même si j'étais tout petit, je prenais une nouvelle, je rentrais dans le couvent, je violais, mais qui sont qu'a dit de ça? Comment on peut justifier ça là? J'ai 3 ans. Maman me sortit là dans marché, le tunnel, il jouait nos nègres, mettait me camper, ticulotte me baissé. Maman me pap, il prend lit tout, même joual, tout ramasser tout à fait. Dans caill là, il tout quitter caill là. Ça va le dire à 4 ans, kilote là t'es trop bombé. Mais il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour arriver concocter on vous comprenez Donc à ce moment, c'est tout ce vécu qui remonte et qui... Oui, et de sentir que, en fait, ça me t'a rien fait là, ça me t'a fait tout de suite, et parce que tellement de monde qui goûte avant. Je ne pas même considérer tellement comme une militante féministe. Je juste vraiment considérer tellement comme une citoyenne engagée, qui a goûté à côté en série de militantes féministes. Pas en série, n'importe qui militante féministe qui respecte tête, moi-même, moi avec. Je me regarde tout petit, je me regarde Marie-Laurence, Magali Mosne. Myriam Merlet, Daniel Magloire, plus récemment là, Pascal Solage, ou bien tout. M'a regardé moun sa yo qui fait des combats, mais qui tellement goumé. Et puis pour en 2021, on moun monte dans la radio pour la maison, bah, comme ça, on dit, mais est-ce que ça veut dire que tout ça pas vaut rien, quoi? Ou dit ou crier de puissance et ou engager autour, n'en mandé compte. Gilbert Mirambeau. Et là, on va voir une photo de vous, de toi. Vous pouvez permettre de me tutoyer, mais c'est mon Oui. privilège là. Une photo avec Gilbert Mirambeau, qui, en bout de carton, Côte-Côte, Petro-Caribéa, et puis quelque chose, pas son étincelle dans la société là. C'est qu'on rage pour demander des comptes. Oui. Ou engager pleinement la dame pour qu'il soit pré-engagement, ça, j'espère. J'avais même pas le choix. Je n'ai pas jamais le choix, en fait. Vous comprenez? C'est pas même pas jamais la réflexion. Je n'ai même pas un gros speech pour me dire, mais qui ça qui t'est passé qui fait m'engager. Mais en fait, c'est toujours tellement débat spontané. Le mouel sur les réseaux sociaux, en fait, dans le voyage. Et puis moi, j'ai bien fait pancarte là. Moi, avec Alib Fell. Et puis moi, en pile, monde est venu très violent vers Kalib, envers Richard Sénécal, envers. Comme si on tape jouer, ben ça, ouais. Et puis, il me dit, ah ben, il faut me faire, lui. Il faut tout le monde faire. On ne peut pas jouer tout le monde. Et à un moment donné, plus le monde fait, plus on comprend pour qui ça, en fait, ce n'est pas un bagage de monde qui a mis de pancarture, son cause nationale que lié. C'est une vraie revendication. C'est
Ou tout, quand on dit haïtien, dit li clair, ou pas manger pour pas ka bay la purée, c'est simple, oui. Ou on dit pas compliqué, non? Quand on peut au Caraïbe, il y a faut payer comme ko pa ouais. Qui passe comme on dépense na affaire personnelle et quand yo sorti puis yo faut payer. Ou trouve le normal et ça me adoré dans Cop Beto Caraïbe ça dans cause ça c'est que c'est vraiment là qu'on comprend qui sa corruption et comme si nous tendez corruption tout le temps moi ça me dit la petite corruption ou dans des vols les comme ici tu vois les comme à droite etc mais c'est là vraiment que moi même personnellement moi vais plonger tête moi dans documenter pour me comprendre qui ça à quel niveau que corruption ça y est dans pays ça. Et c'est là qu'on va comprendre qui gouffre. Ouais, ça me dit que nous quittons mon four et nous. Et comment vous comprenez les attaques justement? Ils attaquent nous même sur orientation sexuelle nous. Ouais. On a dit tout à l'heure là mon dieu là pour le jour on fille au jour pratiquement dans sexe en façon pour ouais. Dégrader ou même pour orientation sexuelle. Comment tu vis tout à l'heure? Et mon est là sorti. Et là je ah, c'est un retour. Okay. C'est un retour à la source. Okay. C'est ça que j'aime comprendre ni. C'est là où philosophique de la chose. C'est là où je suis. Moi, honnêtement, personne, ouais, j'en t'ai dit là en 2008, l'autre, ouais, dans mon yam, ça va jamais atteindre. Je vais jamais sentir mon appel avec moi, en fait, honnêtement. Je vais jamais sentir mon appel avec moi. Pour la simple et bonne raison que, de toute façon, même si il y a deux jours, je dois pee down, parce qu'il y a deux jours, on va me dire où on tient à terre, on va soudainement toute bagaille vient paraître ou vient puissant si bas pour aller toute bagaille on toujours connaît que c'est état d'être moi dans moment qui fait bagaille attaquer okay. On prend même connaît que ça y a dit pas rien voir avec lui rien voir même vrai mais cette aspiration de justice de transparence aujourd'hui il y a monde qui a l'impression que cette revendication s'essouffle ou bien l'impression ça tout oui même pas c'est normal parce que gain de c'est son marathon lié c'est pas ensemble maintenant faire ouais. En fait on est en train de déconstruire ensemble dans ce pays des décennies de corruption de, c'était normal de mode de vie de corruption qui n'ont jamais été questionnés ou pas qu'à saisir que gagne de monde en face qui campe en quoi pour pas c'est normal quoi c'est comme d'agadou chaque matin on vient là ou un petit déjeuner, ou un monde qui a fait vent pour vous. Tu es confortable. Et puis soudainement, il y a un monde qui paraît lui dire oui, mais ça, on va devoir changer. Est-ce c'est normal qu'on saute. Est-ce que tu as fait un cri social pour cet engagement? Oui, bien sûr. Quel est-il? Ben déjà, l'isolement. L'isolement, il y a un paquet de monde qui va être amis, honnêtement, mais qui c'est des monde côté qu'on fréquente, qui était gay, qui était pas allé avant. Avec plus de facilité, qu'on ou est qui n'est pas même genre, bon, c'est pas grave. C'est de l'initiative ça, ou de la vôtre? Il y a une impression mutuelle. Il y a une impression de tous les deux. Okay. Okay. Chaque connaît. Exactement. Okay. Chaque okay. Connaît, okay. Connaît. Okay. Nous, chaque tête n'a pas tiré à genoux. Et puis aussi, le travail, parce que qu'on y a là, quasiment, alors moi-même que normalement, je me supposais vivre de financement, c'est financement qui fait film moins, qui fait tout ça, m'a produit. Quasiment seule institution que ma filière m'avait et qui est toujours là pour moi, qui est toujours là depuis 10 ans, tout, c'est focal. Après ça, on a des ambassades peut-être, comprennent qui mais quand il y a là, secteur privé, ça ne me juste pas aller là du tout. Il y a par contre, si on balait, je ne pas même aller. Parce qu'à un moment donné, je me dis, il faut qu'on croit. C'est vrai que normalement, c'est pas en faveur de mon enfant. Ça fait quand même 20 ans que je suis. Tu vois, dans le monde, dans le milieu artistique haïtien. Donc, si ma long côté me présente ton projet, en plus, c'est pas comme si me dit, s'il vous plaît, on a fait un cadeau de 2000 dollars, on prend si on présente, toujours time, toujours son monde qui prend le temps de présenter le projet, moi, fait document, on prend même bas ou des DVD pour où ça me fait déjà, etc. Donc, c'est normal que mon, c'est dans tout pays au monde, c'est normal. On prend que on monde sponsorisé. Mais, on vit dans un milieu qui est tellement de petitesse d'esprit, côté au monde pensait que vraiment vraiment avec 2 000-3 000 dollars il y a contrôle ou il y a contrôle ça va dire il y a contrôle vous comprenez comment on peut l'exprimer alors là moi il est hors de question et hors de question tant et aussi longtemps que mon papa les marque que moi-même soi-disant me d'abord présenter mal c'est seul comme des engagements que mien mais si ou même comme individu ou bon comportement ou bien ou qui frauduleuse faut du le ou bien des bagages qu'on fait qui méritent pour questionner
Alors, m'a questionné. Ce n'est pas des accusations, mais faut questionner. Questions. Il faut être cohérent. Donc, faut être cohérent. Rapport... Donc, maintenant, c'est par rapport à la société. Ah oui, qui fait me faire choix ça. Si je suis dans l'autre pays, je vais continuer. Vous comprenez? Non. Mais en même temps, il faut me dire honnêtement, comme il y a une production, je travaille avec une production en France, je travaille en production au Bénin. Donc, vraiment, financement, par exemple, Freda, comme ça, réalisé, c'est un financement qui vient principalement de l'étranger. En Haïti, c'est seulement Focal qui supporte. Donc, ça veut dire que. Et puis, mon ambassade de Suisse, tout, supposé supporter. Donc, tout financement sorti en France, dans des systèmes de financement français qui mondial. Quoi. Pas grand-chose d'interférence, pas grand-chose de redevance. Et vous soulignez, il y a des gens qui, dans la sphère personnelle, ils ont perdu le travail à cause de ça. Ils ont perdu le travail. Il y a des gens qui ont perdu longtemps plus. Je n'ai pas estimé que je suis perdu. J'aime dire là, c'est une mutation. Ça veut dire, quand j'aime te qu'on fait bailler avant, que je n'ai pas qu'à faire. Il y a des gens qui, comme tu as dit ça, bailler articulé différemment, pour travailler à faire articulé différemment, qui n'ont pas qu'à faire choix de faire du tout. Alors moi-même, son luxe, moi estime, son privilège immense que je n'ai fait choix, ça, je n'ai dit, ok, quand j'aime fonctionner comme ça, comprendre pour manger. Tout à l'heure, je dis que. La bataille pour la reddition de comptes contre la corruption, pour une utilisation efficiente des fonds publics, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Oui. Il y a quelques années, tu as eu une mèche qui était l'humain sur la question des élections. Où tu as posé la question, à quoi bon voter? Oui. Parce que nous reproduisons le même ou les mêmes. Oui. Est-ce qu'on trouve la même dynamique ça ou bien est-ce que pensons évoluer? Oui. Non, la même dynamique là, parce que tant et aussi longtemps qu'on pas assurer que les gens qui peuvent le présenter, c'est des vrais représentants du peuple. Ou toujours dans, pour moi-même, ou toujours dans le même mouvement nul, là, si je suis capable de dire de façon triviale. Parce que c'est ça, comme si c'est prison ça que nous toujours mettons tête nous. Il faut comprendre le suffrage universel, là, sans mal, son acte démocratique, il faut qu'on fait, blablabla. Mais en fait, il est aveuglé sur le fait que si en réalité, ou bon choisir ton boigne avec un aveugle, ou parfois même deux aveugles, la question de choix n'est pas de choix. Plus... Il n'y a pas de choix. Ouais. Il n'y a pas de démocratie. Il y a une illusion de choix, peut-être. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de choix. Vous pensez à me dire, et là, de plus en plus, on peut réaliser de moins en moins, comme ça pour proposer nous, il y a de moins en moins de raisons qui font dire, OK, on va aller vers ça. Et là, on est en vivant dans un pays corrompu, côté justement élection. Dans la majorité, surtout aux dernières élections, ça a extrêmement truqué. Ou vient sentir impuissance là, par rapport au fait. Ou t'es qu'à voter blanc, tout le monde dit voter blanc. Ou t'es même connu que vote blanc là, ou un genre mon café, ou qu'à transformer, tout est possible. En Haïti, ça veut dire que c'est pas ça qui intéresse. Mais ça qui intéresse, c'est mettre vraiment énergie avant même qu'on arrive dans l'élection. Et c'est là, si vous voulez qu'on obsession, par moi, c'est ça. Et quel que soit un monde comme si, comme fait confiance, qui n'en démarche ça, ma pensée m'a veillé dans le sens que. Impliquez-vous dans la vie de la cité. Politique, oui. Oui, mais vraiment, commencez à faire nous comprendre qui sac élection, hein, qu'est-ce que ça veut dire, voter, et comprendre que ce n'est pas le président qui fait toute bagaille. Comprendre que ou pas capable, parce qu'on nous fait rire pour voter, parce qu'on nous fait danser pour voter. C'est une aberration. Vous comprenez, c'est pas possible. Et donc, c'est là que ça a intéressé. Et tout autant, ça, travail ça n'a pas fait et que y a des séries de monde qui ont un monopole total de qui est-ce qui parle dans l'élection. Et que c'est des monde que vous mettez là qui pour servir intérêt exclusivement, ben oui, moi, style quoi que vous voter son magasin. Les dés sont pipés, si pas qu'on transformation en profondeur. Donc, là, nous n'avons pas même besoin d'en profondeur, parce que nous connaissons les cas compliqués, mais au moins déjà, fait que la population comprenne qui ça pose sur ça y est. Et qui impacte les gains. Là, au service de la citoyenneté, là, au service de ses convictions et de ses engagements, comment est-ce que tu as dit ça? Moi-même, Gaël Bien-Aimé qui m'a dit ça, activiste, moi, j'aime comme ça, activisme. C'est-à-dire que, ou a utilisé art pour exprimer une série de bagailles. Pas de prétention pour me dire que. Que tant qu'on n'a rien pas qu'à changer, rien radicalement. Tout est un processus. Il faut juste créer plus d'espace côté une série de préoccupations
répéter et répéter, que nous questionner, que nous re-questionner. Et à force de questionnement, parce que nous, tant que nous petit, on ne grandit jamais vraiment. Hein. Nous avons besoin de répétition pour nous, jusqu'à ce que pour débat intégrer nous. Donc, je pense que l'art permet la répétition, en tout cas, des choses. Dans le sens que, ou qu'à faire un film, nous qu'à regarder, nous qu'à projeter, nous qu'à faire débat sur lui, ou qu'à faire musique, nous entendons, nous analyser, nous questionner. Ou comprendre, nous qu'à faire plusieurs dans différents secteurs, qu'on fait des bails qui font nous constamment en questionnement, constamment en analyse, et ça peut venir modifier comportement. Qui t'aime bonne illustration, parce que c'est dans la dernière thématique que tu as abordé avec nous. Merci pour cette interview qui est enrichissante pour moi. Où sont passeurs de connaissances, où sont passeuses, pardon, du moins, de connaissances, où sont passeuses d'émotions, ou d'accord que l'on peut être dans l'artiviste, pour prêter ce concept, pour utiliser l'art, les différentes expressions, pour interroger la société sur des thématiques spécifiques. Ces derniers temps, moi, mon yo qui a pris la mouille, mon retour au passé, mon retour à l'autoritarisme. Je le vis dans 83, monsieur qui n'a pas le national là actuellement. Et puis, rétrospectivement, quand je me revois en 2007, par exemple, aller à Fort Dimanche, mal chercher quels sont les vestiges de Fort Dimanche, pas joué dans rien. Baïk oublié, Potemac, fois ça, oublié tout, malheureusement, et la mémoire n'est pas entretenue. Est-ce que pour vous, qui est caméra en amont, qui est réalisatrice, vous pensez son champ que ou même et d'autres t'as mérité explorer pour restituer à la postérité, restituer à la jeunesse ces années de plomb, ces années d'indignité pour que nous parlions pour nous revivre, ou tout au moins des mondes qui étaient artisans, bagaille ça quand même dans le monde, presque à manquer monde dégage aussi. Tout à fait, oui. Moi, quoi, bon monde qui même crée on passe tout le temps, qui s'est passé, nous pas commencer à documenter monde ça. Et pour la vérité, pour l'histoire, je ne sais pas qui est-ce qui crée. Juste elle, sur Twitter, pour la vérité, pour l'histoire. Et puis, il y a dit, mes photos sont telles, mais qui ça le fait, etc. Donc, commencer, il y a des gens qui comprennent que faut nous documenter ça qu'a fait. Là. Et moi-même, ça me trouve plus grave, là, en fait. Il y a une partie de la société à qui ahuri et qui vraiment dépassé par le fait qu'ils ont senti qu'ils ont carré vivre en dictature. Mon gon l'autre partie qui dit tant mieux. Ouais. C'est ça qui fait que en même temps documenter mais en même temps littéralement faut qu'on t'a continuer montrer qui ça lié. Parce que moun yo limité avec question dictature avec les armes de ka marcher dans la rue. Ça c'est un point. Son dictature ka gen un point mon père du vin. Vé ça au perdu, est-ce qu'on a conscience de à quel point que ça a impacté la vie? Et c'est ça que mon yo, de façon triviale, le mon yo a répété ça. Moi-même, moi pas prendre ça à la légère du tout. Le mon yo a dit, m'dé kamaché, m'dé gonti courant. Ça veut dire que là où, dans la situation côté nous, je dis, à côté nous vraiment non extrême, qui vraiment mettait mon yo non animosité, et qui vraiment fait, même pour peut-être, pas qu'à considérer comme mon encore. C'est où d'abord mon nom, gars en plus, mon goût de l'eau en plus, des gens t'ont considéré que les noms paradis par rapport. Donc ça c'est dangereux. Lorsqu'on prend mon nom extrême pareil, les dangereux parce que quel que soit ça qu'on propose là depuis un millième mieux que ça la vive là, la plonger la donne. Donc c'est beaucoup d'énergie pour m'en donner une série de monde pour y pas sombrer, pour y pas vous pensez à me dire rentrer très baissé dans jouet là, pensant que bah, il va l'améliorer vraiment. Mais en même temps, tout, c'est l'alternative qui va faire que nous n'avons pas allé vers là. Tu comprends? Cette alternative-là, elle est à construire. Elle est à construire. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens pas là sans pas dire le guibo pour là. Laissez même gens dire aux gens quitter la religion. Mais nous avons besoin, lui-même, en tant qu'humain, il a besoin de socle, il a besoin de bagaille qui pour faire sentir que la ville a un sens ou bien que bon après est meilleur que ça la vivre là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une alternative pour lui ou qu'il est dans le néant. Ce n'est pas tout le monde qui a capacité ça. Il y a des gens qui ont arrêté dans le néant. Mais il y a des gens lui-même, impérativement, il faut le bon béquille, il faut le bon chaise roulante, il faut le bon bagaille. Soit pour tirer le système de croyance, soit pour proposer le système de croyance. Soit pour tirer le système politique, soit pour dire pas aller vers le système politique, ça. Faut ballon alternatif. Et qui est prouvé, qui bat le résultat. Dernier point, je vais demander pour un commentaire sur l'IA. C'est une interpellation au niveau de la société qui dit que même si c'est kidnappeur, depuis le kidnappeur payé, ça a été souillé, ou bien pour aller chanter sans poser question.
il y a des gens qui mal pour digérer, il y a des gens qui disent bon c'est pas nouveau et on a joué avec Tonton Macoute, avec le préfet, etc. Quel regard est-ce que vous portez sur ça? En fait, jusqu'à l'année dernière, j'avais des idées très arrêtées sur le comportement comme ça, j'avais exprimé clairement tout, j'avais toujours dit. Et après, j'ai fini par réaliser que il ne faut pas prêter à tout le monde en vision que pas à quel moment que tu dis que tu es gagné. Par contre, tu comprends ce que je veux dire. Parce que des fois, nous attendons à ce que le monde fait des bagages alors que pas à quel moment que tu dis ni que nous pas même connaissons quand on a demandé au campé, à Sissi là au campé. Vrai, nous pas connaissons qui ça dans tête Dieu. Nous juste, comme c'est des figures publiques, nous dit que fort est campé là. Mais en fait, peut-être que le monde, c'est côté lié à, c'est exactement là où il est campé. Donc ça veut dire que. Donc là, il faut de l'humilité et retirer des présomptions et. Ah non, que peut-être qu'on a trompé là-dedans, clairement. Peut-être qu'on a trompé, peut-être que le monde. Faut pas jamais. L'homme a dit qui est lié, faut attendre lui. Moi-même, c'est qu'on s'amuse avec mon Kounia. En tout cas, pour le moment, c'est qu'on s'amuse. Soudim qui est lié, me dit ok. C'est mon soi, pas un problème. Kounia m'a banalisé en fonction de moun ça. Sous changer de discours tout, fuck. Surtout fait normal pour jouer pour gang ou gon koto catégorisé moun ça? C'est pas qu'à catégoriser, m'douve son pire lié. Moi, mais en tout cas, dans un moment, c'est là le choisi. Ok. Et ça qui intéresse, c'est pour qui ça le choisi là. Parce que pour moi-même, rien pas anodin. Quel que soit choix ou fait, ou bon raison, faut faire choix ça. Et si le financier, bon, si c'est l'argent forfait, d'un coup, il y a sans question, tout le bagage est questionnement. Mais moi-même, je vis nos complexités d'analyser ça avec radicalité, parce que moi-même, je connais côté de moi, j'aime de parler de ça, de choix que je fais, par exemple, pour ne pas aller vers certaines compagnies, pour ne pas. Ça, c'est radicalité, pam. C'est où? Ma dernière question. Jessica Genevis, merci pour tout ça. Moi, merci encore bon, pour ce que nous avons gagné. Comment habiter son être? Comment habiter son être en habitant Haïti? Avec tout ça, nous avons là, comme horizon de douleur, de souffrance, d'angoisse, de kidnapping, d'horizon bouché. Et aussi, en parallèle, il y a des gens qui disent non, il faut me camper, il faut me gourmer. Comment habiter Haïti dans ces conditions? Je pense que dès qu'on met le paramètre de choix, ça devient compliqué. Parce que le seul côté que le possible pour habiter Haïti, c'est le paramètre de c'est là où choisir. C'est comique, là, c'est que des fois, je parle avec des gens qui ont un peu de respect pour eux, et puis ils me disent ça, et puis ils me disent pourquoi être encore en Haïti, et puis ils me disent, je ne sais pas, moi, pour une femme, pour un arbre, pour la mer, j'en sais rien. Parce que de pour arriver dans le niveau que toi as dit, ou vraiment font liste de façon pragmatique de pour qui ça va gouverner un pays ça toujours ou banane. Parce que pour moi-même rien n'est nécessairement pragmatique ou rationnel. Donc il faut aimer Haïti en dehors de tout contexte. C'est des choix concrets de je dis assez l'amier et ma là pleinement sans condition. Et si demain matin tout le monde l'autre côté, même pour l'autre côté. Ne rien faire à moitié. Tu es dans cet espace, tu t'investis dans cet espace, tu te bats pour que cet espace soit comme tu souhaites qu'elle soit. Demain matin, ou à l'autre côté, tout, et tu feras pareil là où tu seras. Ça veut dire que je ne pas penser que ni mon qui allait, ni mon qui était, puis bon, pas bon, c'est vraiment compliquer les choses et chercher à culpabiliser mon point. Je pense que vraiment sans question de choix. Et si ou est ou pas, fais choix ça, tout n'est boussole, et puis pour qu'on ait que c'est où, c'est laisse on commencer dans la douleur, c'est laisse on commencer dans le déchirement. Ça ne veut pas dire dans le choix, pas une douleur, non? Mais au moins, ou gain repère du fait que. C'est moins. C'est moins. Donc à chaque fois que vous sentez envie dérouté, basculé, ou vous sentez mal par rapport à ça, tu reviens à ça. En novembre, là encore, moi basculé, moi dit, ça m'a fait là, c'est pas possible. Moi, les producteurs, moi, je dis, achetez un billet, ma partie, demain matin, je dis, achetez-le à soi. Parce que sous bon 24 heures, pensez ça, qui n'a tête, moi, à expirer. Je te jure, il l'a acheté deux jours plus tard et j'avais changé d'avis. Mais je te garantis que s'il t'a acheté dans les heures qui suivaient notre conversation, je t'ai pas dit, peut-être, je t'ai tourné, mais je t'ai pas dit.
Vous comprenez? Ça veut dire que il y aura ces moments-là. Et pendant le temps que je prends pour l'acheter le billet, puis je commence à réfléchir. Je dis, il y a des gens qui sont là, Jessica, ou là, parce qu'on choisit là, ou songer pour qu'ils sortent là. Parce que je ne voulais pas parler de Haïti, de l'extérieur étant. Je voulais parler de ce pays en étant là. En étant dans une constante compréhension, quête de compréhension de qui société m'a évolué là-dedans. Mm-hmm. Je ne voulais pas parler d'Haïti au passé ou à partir des souvenirs que j'ai d'une nostalgie d'un endroit. Je voulais parler de ce pays à partir d'un vécu qui est constamment renouvelé parce que je suis là. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Tu vois, c'est... C'est ça. Jessica, merci en pile pour balade ça. C'est une belle balade. C'est spirituel, c'est professionnel, c'est enrichissant. Merci. Merci et à vous. Pour tout ça, non mais... Aucune balade pas possible si pas un accompagnateur extraordinaire. Bon, si vous avez mon sur balade ça, merci en pile pour auditeur mieux, pour téléspectateur mieux qui a découvert ou découvert un monde authentique. Et merci pour tout le travail que vous faites. Et nous souhaitons Frida succès, Jean Douvanjou. KLVAT. Merci à moi qui m'a mis l'amour. Tout permet-moi tout ça. Parce que c'est des moments difficiles de mon jondia qui cherche à détruire. Pas que moi-même, mais tout le monde qui est engagé. Et peut-être non, non, aussi, moi osé, m'a dit merci, toi, ça, toujours pas. Jamais hésité à vous un petit message pour dire Kembela. Kembela. Oui. Kembela. Donc, ça, c'est mine de rien, ça, des fois, là, de matin. Vous comprenez? Ça a vraiment baillé tout le monde en boost pour vous. Faut qu'il y ait un carburant, ça, dans mon Oui. Merci, Jessica, j'ai été discutant ça. Merci beaucoup, merci. Au plaisir, merci. C'est là de mettre un bout dans l'édition ça. Nous avons un rendez-vous dans l'autre. Vous comprenez, l'édition ça, c'est spécial. Et nous avons un rendez-vous dans l'autre. Vous pouvez contacter notre 34 20 40 41. C'est le numéro de téléphone. Et email moi, c'est Robertson, R-O-B-E-R-S-O-N, à au base, on traite en bas, et comme ça, me donne des dit, A-L-P-H-O-N-S-E, à au base, yahoo.com. Kembela Palaki.